commun. Okay. Alors, bonjour. I don't know if many of you have seen Peter McLeod's video on YouTube, but he says three important things. That Centennial belongs to citizens, that culture and politics should be united, and that an anniversary, I can't say that, can be a catalyst. I'll try to show you that this is possible because this is really what happened in Quebec City in 2008. Because of what? Because we prepare it a long time in advance. Le maire de Québec a créé la Société du 400e en 1999, soit 9 ans avant l'événement. Alors, félicitations à ceux qui ont pensé à cette rencontre aujourd'hui. Vous n'êtes pas en avance, vous êtes bien dans le temps pour préparer 2017. Je pense aussi qu'il y a trois conditions principales qui mènent au succès. C'est « Know what you are celebrating, for who, when and how. Have a good communication strategy. And please remember that one, have the right person at the right place at the good time. » Un gestionnaire d'événements, c'est un job en soi, c'est une profession. Il faut absolument chasser la politique, ne pas avoir quelqu'un qui a des liens politiques, des political IOU, quelqu'un qui connaît les artistes, qui sait négocier les cachets, qui connaît les droits de télédiffusion, qui sait négocier ça, qui connaît la production de spectacles, la production d'événements de grande envergure. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Si je viens à la première condition, définir ce qu'on fait, bien, le 400e anniversaire de Québec, c'était d'abord l'anniversaire d'une ville, l'anniversaire de la Fondation de Québec. Mais c'était aussi la célébration de la naissance du fait français en Amérique et le développement de toute une culture qui rayonne aujourd'hui à travers le monde. Notre groupe cible, tout le monde. On voulait que tout le monde se sente interpellé par la fête, tous les francophones, du Québec et d'ailleurs. On a fait des tournées un peu partout dans la province, à travers le Canada, aux États-Unis, pour inviter les francophones à venir célébrer. Alors, notre objectif, c'était que chacun en fasse son événement, trouve une raison de célébrer et de faire partie de la fête. Pour y arriver, la programmation était divisée en quatre volets. Des activités historiques, parce qu'après tout, nous fêtions un anniversaire historique, 400 ans. La ville de Québec est la plus vieille ville d'Amérique du Nord, au nord du Rio Grande. Alors, nous avions différentes expositions, comme l'exposition Passager Passengers, qui racontait l'histoire des immigrants qui sont venus définir Québec, peupler Québec. Des expositions de photos, beaucoup de publications de livres sur Samuel de Champlain, la traversée, les premiers explorateurs, etc. Des colloques historiques, un film de Jean-Claude Labrecque qui a été réalisé sur la ville de Québec. En tout, 58 activités. Des productions exclusives. Ça, c'était quelque chose d'important pour nous, des productions qui mettaient en valeur à la fois le talent de nos créateurs, des gens d'ici, et le talent des gens d'ailleurs. Alors, de notre côté, nous avons des icônes importantes au Québec, et importantes au Québec. Robert Lepage, que vous connaissez tous, et qui a réalisé le moulin à images, The Image Mill, sur les silos à grains de la Bongie. C'est une production gigantesque qui attire des milliers de personnes depuis ce temps. Le Cirque du Soleil, qui est né à Québec il y a 25 ans, qui a créé un spectacle spécial pour le 400e pour la ville de Québec. Et cette image, c'est le chemin qui marche, créé par un jeune artiste de Québec, Olivier Dufour, qui est en train de faire son chemin tranquillement. Nous avions aussi des productions exclusives, mais venues d'ailleurs, pour montrer qu'à Québec, on est capable d'accueillir les talents de l'extérieur, de les attirer et aussi nous faire rêver. C'est une image d'une troupe américaine, Bandaloupe Theatre, qui font des ballets aériens sur les édifices, c'était sur l'hôtel Hilton. Je vous ai dit au tout début que nous célébrions aussi et surtout la naissance du fait français en Amérique. Alors, nous avions plusieurs spectacles pour célébrer justement la francophonie. Alors, Viens chanter ton histoire est une espèce de karaoké géant sur les plaines d'Abraham qui a attiré 60 000 personnes qui sont venues chanter avec une vingtaine d'artistes québécois les chansons les plus connues du répertoire québécois de Félix Leclerc aux chansons d'aujourd'hui. Paris-Québec, un spectacle qui a mis en scène des artistes européens et français parce qu'on voulait faire le lien entre le peuple fondateur, la France et le Québec. Un spectacle qui a été présenté à la télévision de Radio-Canada, c'est pour ça que je parlais des droits de télédiffusion tantôt, à RTV et surtout à France, Antenne 2 en France, et qui a attiré 3,6 millions de spectateurs en France. Vous imaginez-vous la vitrine publicitaire qu'a représenté cette émission?
Le plus important, peut-être, le spectacle commémoratif Rencontre. C'est vraiment le spectacle qui a été créé pour marquer l'anniversaire de la Ville de Québec. Il a d'ailleurs été présenté le 3 juillet, jour anniversaire de la Ville de Québec, dans un lieu hautement symbolique, place de l'Assemblée nationale, donc devant le Parlement de Québec. Et il est animé par le fondateur de Québec, Samuel de Champlain, qu'on voit ici habillé en bleu. Ce spectacle, oui, qu'on a sorti de son tombeau pour l'occasion. Ce spectacle a réuni des artistes québécois, français, belges, qui sont venus raconter en plusieurs tableaux l'histoire de la Fondation de Québec à partir de l'arrivée des premiers explorateurs, la rencontre avec les Autochtones. Le spectacle faisait une place aux Irlandais, aux Écossais, aux Anglais, qui ont tous contribué à façonner Québec et à développer cette ville. Jusqu'à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Une vingtaine d'artistes, je pense, participaient à ce spectacle, dont les plus connus là, de nos artistes québécois, de Diane Dufresne à Robert Charlebois, Gilles Vigneault qui chantait la chanson finale, une scénographie assez extraordinaire avec cette coupole placée au-dessus de la fontaine de Tourny devant la place de l'Assemblée nationale. Le troisième volet de la programmation, c'était de lancer des invitations à des personnalités internationales. Le 300e anniversaire de Québec en 1908 a été très, très britannique. Le 400e a été très français. Les Français se sont beaucoup investis dans le 400e. Un exemple, le 300e a fait place à des parades militaires, un immense pageant, un pageant sur les plaines d'Abraham. Et l'invité d'honneur à ce moment-là était le roi George V. Au 400e, les gens se sont posé la question s'ils allaient inviter le pape et la reine. Grande question quand on habite Québec. j'ai pas besoin de vous faire un dessin, de vous dire que ce sont des personnages qui sont pas vraiment populaires à Québec, de sorte qu'on les a remplacés par les stars internationales, les vedettes d'aujourd'hui. Alors, pour représenter les différents peuples fondateurs, Aznavour est venu chanter sur les plaines d'Abraham pour représenter la France, Van Halen, les États-Unis, en ouverture du festival d'été. Et quand on fait des blagues aujourd'hui entre nous, on dit « mais on avait les rois et les reines d'aujourd'hui avec Paul McCartney et Céline Dion, qui en plus, ceux qui ont suivi l'actualité vont se souvenir qu'il y a eu une petite bataille des plaines d'Abraham parce que Céline Dion ne voulait pas chanter à la même place que Paul McCartney, après ça voulait, oui, chanter à la même place. Enfin, disons que le roi et la reine de 2008 ont reconstitué la bataille des plaines d'Abraham à leur façon. » Le succès, je vous dirais, est dans… Le défi de trouver un équilibre dans la programmation pour qu'encore une fois, tout le monde se sente interpellé, qu'il y en ait pour tous les goûts. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi au 400e en offrant une diversité d'activités. Le succès repose aussi dans l'implication des forces vives du milieu. Quand le nouveau directeur du 400e est arrivé en poste en janvier 2008, alors que la fête venait de commencer et s'annonçait comme un fiasco, il a tout de suite ramené au centre de la piste, si je peux dire, les gens qui connaissent les événements à Québec. Il est allé chercher les gens du Festival d'été de Québec, les Grands Feux Loto-Québec, le Carnaval et les gens des deux musées pour organiser les activités, pour qu'ils contribuent, qu'ils apportent leur expertise. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça fait que les principaux intervenants se sentent impliqués, se sentent interpellés. Et donc, tout le monde veut la même chose, tout le monde vise le succès. Il n'y a personne qui veut se planter, il n'y a personne qui veut se faire dire « bien, cet événement-là n'a pas réussi parce que le carnaval n'a pas livré la marchandise ». Tout le monde veut être là et c'est un gage de succès et c'est ce qui s'est passé. Je vais vous parler des communications, évidemment, puisque je suis une fille de communication. Alors, l'importance d'avoir un porte-parole unique et crédible, c'est très important pour établir le lien avec les médias et la population. Je vous l'ai dit, le 400e avait mal démarré, c'était vraiment mal parti. Et le fait d'avoir Daniel Gina comme directeur, qui était connu comme directeur du Festival d'été, donc qui avait une feuille de route éloquente, qui était capable de démontrer aux gens « oui, j'ai réussi à organiser des événements, oui, j'ai fait quelque chose », ça a amené toute une autre crédibilité au 400e. Nous nous sommes rapidement rendus compte aussi que les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient fêter. Il y avait une lacune au niveau de l'information, alors nous avons adopté une stratégie là, de communication et d'information constante, transparente. Écoutez, c'est fou. En un an, on a fait 76 conférences de presse et on a publié 119 communiqués. Alors, les gens savaient exactement ce qui allait se passer, comment les choses allaient se passer, ce qu'ils allaient fêter, pourquoi ils devaient être là, et ça a donné le succès que vous connaissez. Nous avons aussi travaillé en collaboration
avec ce que j'appelle à la blague l'état-major de Québec, c'est-à-dire la Ville de Québec, le service des transports, la police, pour encore une fois bien informer les gens et bien structurer les événements. Quand les événements se terminaient, quand les fêtes, les célébrations, les spectacles, les gens savaient exactement où aller prendre l'autobus, où ils pouvaient se stationner, quelle rue allait être fermée, etc. Les médias ont relayé l'information d'une manière exceptionnelle, si bien que la ville, oui, elle a été engorgée, oui, il y a eu beaucoup de monde à Québec en 2008, mais les choses se sont relativement bien passées. Et le fait de travailler en collaboration comme ça, ça nous a aussi donné une image de crédibilité et ça a montré aussi que nous étions en contrôle de la situation et que nous avions l'expertise. Enfin, le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose d'important pour que les gens se sentent interpellés et aient envie de fêter. Alors nous, on a pavoisé la ville, il y avait des 400 lumineux un peu partout dans la ville pour que les gens de Québec se sentent interpellés, mais aussi les gens de l'extérieur, pour qu'en arrivant à Québec, ils voient que, ah, il se passe quelque chose ici, il y a une fête, et qu'est-ce qu'on fête? En fait, il y a un 400, donc on fête un 400e anniversaire. Alors, c'est ce qu'on a fait, les principales rues commerciales ont toutes été pavoisées, et je vous l'ai dit tantôt, on a sorti Champlain de son tombeau. En fait, on a engagé un comédien pendant toute l'année qui a joué le rôle de Samuel de Champlain, qui a participé à des centaines d'activités. Et c'était la folie. Les gens voulaient des autographes, voulaient des photos avec Samuel de Champlain. Et mieux que ça, même le premier ministre du Québec, Jean Charest, organisait une rencontre des premiers ministres à Québec pendant l'année 2008. Et il a engagé notre Champlain pour aller dans toutes les provinces canadiennes inviter les premiers ministres. Champlain a aussi été invité aux délégations du Québec à Atlanta, à Los Angeles, etc., pour faire des conférences. Écoutez, c'est redevenu une vedette. Le succès du 400e, bien, je pense que vous en avez tous entendu parler un peu. C'est un succès monstre. 97 % des gens se sont dit satisfaits de la fête. La participation du public a aussi été immense. Un an avant le 400e, les gens disaient à 72 % qu'ils ne participeraient pas aux fêtes, d'où mon idée là, de vous parler d'une stratégie d'information constante, c'est important. Alors qu'après le 400e, ben 76, dans un premier sondage, 78 % des gens disaient qu'ils y avaient participé, alors que dans un deuxième sondage, le taux avait monté à 93 %. Les résultats du 400e, les impacts du 400e, c'est la fierté retrouvée d'une ville. Québec ne se voit plus de la même façon, et surtout les gens de Québec, les gens de l'extérieur de Québec, ne voient plus Québec de la même façon. Je vous dirais que Québec s'est donné le droit de rêver, s'est donné le droit d'oser, de foncer. On parle d'une candidature pour des Jeux olympiques en 2022, on parle de la construction d'un Colisée, du Forum mondial des cultures. Tout ça, ce sont les effets du 400e. Les gens à Québec ont vraiment retrouvé une fierté. Il y avait un petit nuage noir au-dessus de Québec qui est disparu. Tant mieux. Alors maintenant, on travaille pour l'avenir. Je vous le rappelle, ce succès, il est attribuable, à mon avis, à celui de toute l'équipe du 400e, à un produit bien défini, fort, solide, qui rejoint la population, une stratégie de communication claire et facile à suivre, et enfin, un leader, un gestionnaire d'événements qui connaît la job. Je vous le répète, c'est très, très, très important. Alors, bonne chance à ceux qui organiseront le 2017 et vous reviendrez me poser des questions.